السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة Apprendre le français facilement لتعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في هذا الفيديو سوف نتطرق لفرض الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط مع الحل Devoir de français premier trimestre deuxième année moyenne. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. On commence. Un jour, elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt. Mais sur son chemin, elle rencontra un loup. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. La petite fille confiante s'avança tout près. Alors l'animal l'avala d'un coup. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine, mais on ne l'a pas trouvé. Un chasseur rencontra le loup, il lui ouvrit le ventre et en sortit la pauvre petite fille bien vivante. Depuis ce jour, le petit Chaperon Rouge ne parlait jamais au loup. Un jour, في يوم من الأيام, elle rendit visite à sa grand-mère, قامت بزيارة جدتها, التي تعيش في الغابة, qui habitait dans la forêt. Mais sur son chemin, ولكن في طريقها, elle rencontra un loup. Il التقت بذئب. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. اقترب منها وبدأ يحدثها بلطف. La petite fille confiante s'avança tout près. الفتاة الواثقة اقتربت منه كثيرا. Alors l'animal l'avala d'un coup. وقام الحيوان بتناولها بلقمة واحدة. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine. بحثوا عن ذات الرداء الأحمر لمدة أسبوع. Mais on ne l'a pas trouvé. ولكنهم لم يجدوها. Un chasseur rencontra le loup. التقى صياد بالذئب. Il lui ouvrit le ventre et en sortit la pauvre petite fille bien vivante. قام بفتح بطنه وأخرج الفتاة الصغيرة وهي على قيد الحياة. Depuis ce jour, منذ ذلك اليوم, le petit chaperon rouge ne parlait jamais au loup. ذات الرداء الأحمر لم تتكلم أبدا مع الذئاب. On passe aux questions. Compréhension de l'écrit. Donne un titre au texte. إذن من خلال القراءة المستمرة والمكررة للنص سنستنتج أن عنوان النص هو Le petit chaperon rouge. Le titre du texte est Le petit chaperon rouge. Choisis la bonne réponse. Ce texte est un dialogue, حوار, un conte, قصة, une bande dessinée, قصة مصورة. إذن بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية متوسط في لا سيكونس 1 سوف يتطرقون إلى لي كونت يعني باختصار نوع النص هو ان كونت. Je complète le tableau suivant à partir du texte. أكمل الجدول الآتي من خلال النص. إذن troisième question. Complète le tableau suivant à partir du texte. املأ الجدول الآتي من النص. إذن من النص سوف نقوم باستخراج les personnages, le lieu, la phrase qui exprime la suite de l'histoire. إذن un jour elle rendit visite à sa grand-mère qui habitait dans la forêt, mais sur son chemin elle rencontra un loup. إذن le loup هو من بين الشخصيات. Il s'approcha d'elle et commença à lui parler doucement. La petite fille, confiante, avança tout près. Alors l'animal l'avala d'un coup. On chercha Chaperon Rouge pendant une semaine. Et donc, Chaperon Rouge, il y a un chasseur fani. Mais on ne l'a pas trouvé. Un chasseur rencontra le loup. Et donc, le chasseur ou un bain à chasseur. Et donc, le petit chaperon rouge. Le loup et le chasseur. Le lieu dans la forêt. إذن مكان حدوث الأحداث هو الغابة. والجملة التي تعبر عن la suite de l'histoire هي un jour. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le petit chaperon rouge est un garçon. ذات الرداء الأحمر هي ولد. إذن c'est faux. Le petit chaperon rouge est une fille. La petite fille rendit visite à son grand-père. الفتاة قامت بزيارة جدها. إذن أيضا
الإجابة خاطئة. Relève du texte un CCT et un CCM. استخرج من النص un complément circonstanciel de temps et un complément circonstanciel de manière. إذا قلنا سابقا أن le complément circonstanciel نجده بطرح سؤال quand أو متى وهو يعبر عن الزمن. Le complément circonstanciel de manière نعرفه بطرح السؤال comment أو كيف وهو يعبر عن الحال أو الحالة. إذا يمكن أن نأخذ un jour ك un CCT لأننا نطرح السؤال quand متى un jour في يوم من الأيام. إذا la manière نطرح السؤال comment. Il commença à lui parler doucement. Comment à lui parler? Comment doucement. إذا le CCT هو un jour, le CCM هو doucement. هو يعبر عن الحالة. Souligne l'adjectif qualificatif et encadre le complément du nom dans la phrase suivante. إذا سنسطر على الصفة ونؤطر المضاف إليه. Les habitants du village aiment la petite fille. سكان القرية يحبون الفتاة الصغيرة. إذا le complément du nom هو المضاف إليه. وقلنا أنه كلمة تأتي بعد le sujet في غالب الأحيان. إذا du village هو le CN, le complément du nom. ونجد قبله أيضا la préposition du. L'adjectif petite, la petite fille. Septième question, conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. إذن الآن سنصرف الأفعال في الجمل الآتية في زمن l'imparfait de l'indicatif. Un jour, elle rencontrait le loup sur leur chemin. إذن ننتبه إلى le sujet دائما إذا كان مفرد أو جمع. إذن قلنا أن أفعال le premier groupe تصرف مع l'imparfait de l'indicatif على النحو الآتي. Avec le pronom je, les verbes du premier groupe se terminent avec AIS. Tu, AIS. Il ou elle, sans S. Ou bien au singulier, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il ou elle avec S, AIENT. Donc, un jour, elle rencontrait le loup sur leur chemin. La petite fille, le verbe visiter sa grand-mère qui vivre dans la forêt. Idem, idem, le verbe visiter est un verbe du premier groupe où on a le sujet est singulier. Idem, visiter avec AIT. La petite fille visiter sa grand-mère. إذن le verbe vivre أيضا قلنا عن أفعال le troisième groupe تنتهي في غالب الأحيان مثل les verbes du premier groupe. إذن la grand-mère c'est singulier, féminin. On dit sa grand-mère qui vivait dans la forêt se termine par AIT. Huitième question. Écrit au féminin pluriel. إذن هنا سنحول الجملة الآتية إلى الجمع المؤنث. Une fille si jolie et si gentil. إذن نلاحظ هنا le déterminant une ça يتحول في le féminin pluriel إلى des. Fille on ajoute un s, jolie on ajoute un s, gentil on ajoute un s. Des filles si jolies et si gentilles. ننتقل إلى la production écrite. À partir de la suite des événements de la situation finale du texte, rédige la situation initiale en t'aidant de la boîte à mots suivante. إذن من خلال عرض القصة والخاتمة الخاصة بالنص اكتب المقدمة من بالاعتماد على الجدول الآتي. إذن la formule d'ouverture أو الجملة الافتتاحية il était une fois, il y a bien longtemps. Il avait une fois, يعني أنتم اختاروا من بين هذه les formules, les noms, une fille, un bonnet, les habitants du village, etc. Les verbes, aimer, appeler, nommer, vivre, porter, etc. Les adjectifs, petite, belle, jolie, gentille.
اعتمادا على هذا الجدول ستقومون بكتابة مقدمة قصة Le Petit Chaperon Rouge. Critère de réussite. Conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif. صرف الأفعال في l'imparfait de l'indicatif. Ponctue ton paragraphe. Utilise les adjectifs qualificatifs et n'oublie pas de citer le lieu et le temps. Attention aux fautes d'orthographe. إذن ستستعملون أيضا في هذه الفقرة أو هذه المقدمة علامات الوقف. Les adjectifs qualificatifs. وستحددون أيضا le lieu et le temps. وانتبهوا أيضا من les fautes d'orthographe. إذن بالنسبة للا production écrite من أجل إنشائها أو كتابتها دائما المقدمة تبدأ بلا formule d'ouverture أو الزمن. Il était une fois على سبيل المثال. أيضا نحدد المكان حدوث الأحداث إما في بداية المقدمة أيضا أو في أي مكان. المهم نحدد المكان في المقدمة. أيضا نذكر الشخصيات أو الشخصية الرئيسية في القصة. مثلا هنا Le Petit Chaperon Rouge. أيضا نصرف les verbes في l'imparfait de l'indicatif. Par exemple le verbe vivre, vivez, donner, le verbe donner, le verbe être et avoir à l'imparfait de l'indicatif. أيضا نستعمل les adjectifs qualificatifs. إذا في هذه الفقرة قلنا Il était une fois vivait une très belle fille nommée Le Petit Chaperon Rouge car sa grand-mère lui donnait un bonnet rouge. Elle était si jolie et si gentille. Tous les habitants de son village l'aiment. إذا هنا ذكرنا la formule d'ouverture. استعملنا les adjectifs qualificatifs. أيضا ذكرنا الشخصية الرئيسية في القصة وهي Le Petit Chaperon Rouge. صرفنا les verbes à l'imparfait. استعملنا المزيد من les adjectifs وأيضا حددنا المكان وفي نفس الوقت